raconte. Christophe Ondelatte. En 2010, à Antony, en banlieue parisienne, Nicolas Duc tue sa femme de 6 coups de marteau sur la tête. Le mobile ? Une histoire de fesses, une histoire d'argent. Que nenni ! Pas d'amant, pas de magot. Et un mobile hallucinant. Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Nicolas Duc. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Côte B sur Europe 1. En 2010, Nicolas Duc vit dans un pavillon de banlieue parisienne avec sa femme Nathalie. Ils ont 42 ans tous les deux et 3 enfants. Elle est professeure agrégée de sciences naturelles et lui banquier. Mais le 19 octobre, petit matin, Nicolas Duc assène à sa femme un coup de marteau sur la tête. Nathalie est inconsciente, mais toujours vivante. Alors il la frappe encore. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Un massacre. Nathalie agonise sur son lit. Et Nicolas Duc prend la fuite et au volant, il se saoule au whisky. Quand Nicolas Duc rentre chez lui, il est cueilli par les policiers. Et d'un coup, il s'effondre. C'est moi qui l'ai tué. Je vais mourir d'une leucémie. Je voulais pas qu'elle refasse sa vie après ma mort. Je ne supportais pas l'idée qu'elle puisse rencontrer d'autres hommes. Et Nathalie meurt à l'hôpital. Au tribunal, il est déféré après la garde à vue pour être mis en examen pour des faits de meurtre sur conjoint. Maître Fabien Arakelian, avocat de Nicolas Duc. Je perçois tout de suite que j'arrive dans un dossier hors norme avec une personne qui est mise en examen et qui n'a pas du tout le profil des personnes qui sont mises en examen dans les dossiers d'information judiciaire, et que ce dossier dépasse l'entendement et qu'on voit bien qu'il va y avoir un volet psychologique et psychiatrique qui va être prédominant. Et la personne que je vais rencontrer quelques instants plus tard n'est pas un client lambda. Code B21, expertise psychiatrique des docteurs Coutenceau et Pascal. Nicolas Duc n'a aucun antécédent judiciaire. Après ses études dans la finance, il a travaillé comme trader dans plusieurs banques connues. Et avant les faits, il était employé dans une banque d'affaires pour gérer des portefeuilles d'obligations. Il gagnait 100 000 euros par an. Marié à Nathalie depuis 1992, le couple avait 3 enfants. Je le vois. Il est bien évidemment effondré, il n'est pas en mesure de s'expliquer devant le juge d'instruction et il fera de brèves observations de mémoire sans répondre aux questions. Et puis ensuite, dès le lendemain, je vais le voir à la maison d'arrêt. Je savais qu'il fallait que je... Oui, on va le dire, prenne soin de lui, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il devait avoir ce contact régulier. Je devais toujours le ramener, lui dire qu'il fallait rester... parmi nous, et c'était... Il y a eu des parloirs assez émouvants. Je ne vais pas vous dire que j'étais attaché à lui, mais en tous les cas, je veillais à lui rendre visite toutes les semaines. Voilà. Ça me semblait important, parce que je percevais que, psychologiquement parlant,
il était dans un état plus que fragile et qu'il y avait un risque d'effondrement. Et voilà. Il était touchant, ce monsieur, très touchant. Ordonnance de mise en accusation. En mai 2010, 6 mois avant le meurtre, Nicolas Duc faisait une chute à vélo lui causant une fracture de la clavicule. Il avait subi une série d'examens radiographiques qui l'avaient beaucoup angoissé. Il avait alors acquis la certitude, après avoir consulté des sites internet, qu'il souffrait d'un cancer. Nicolas Duc pensait qu'il allait mourir et que sa femme allait connaître d'autres hommes après son décès. Cette idée lui était intolérable. Et alors qu'il est quelqu'un de tout à fait raisonnable, intellectuellement quand même au-dessus de la moyenne, il rentre dans un délire paranoïaque, hypochondriaque. Et il se dit « je suis atteint d'une maladie incurable ». Il s'auto-convainc qu'il a une leucémie. Il multiplie les examens de sang, des analyses, des scanners, des radios, et la liste est juste faramineuse. Et il est dans ce délire. Personne ne mesure l'ampleur de ce qu'il est en train de vivre. Et il croit qu'il va mourir. Et il aime tellement sa femme qu'il ne supporte pas l'idée qu'elle puisse refaire sa vie après son décès. Et donc ce matin, à 7h du matin, lorsqu'il se lève, il décide de tuer sa femme pour ne pas avoir à vivre avec cette idée qu'elle refera sa vie avec un autre homme. Ordonnance de mise en accusation. Le matin du 19 octobre 2010, Nicolas Duc était pris d'une violente douleur au niveau du cœur, persuadé qu'il allait mourir. Il gambergeait pendant près de 40 minutes avant de passer à l'acte et d'aller à la cave chercher un marteau. Vers 7h40, après le départ de sa fille et de son fils aîné pour l'école, il avait violemment frappé sa femme derrière le crâne. Après être tombé de son lit, Nathalie se relevait pour se traîner jusqu'au lit. Elle se réveille, il lui assène encore des coups, il y en aura 4 ou 5. Il y a du sang partout, il nettoie le sang, pas pour maquiller une scène de crime, mais simplement pour que les enfants ne découvrent pas le sang de leur mère par une entrée éventuellement dans la chambre parentale. Les enfants partiront à l'école, il écrira une lettre qui est un testament d'une certaine manière, où il expliquera son geste. Les enfants, maman est morte ce matin. Et je pars aussi. J'ai appris mon cancer du sang il y a quelques jours. Et je suis condamné à cause de trop de radio cet été. Et mon épaule n'est pas récupérable. Appelez votre grand-mère. Appelez la police. Les pompiers. Vous avez une grande maison et beaucoup d'argent sur les comptes bancaires. 3 comptes à la banque postale, des assurances-vie et des comptes courants. Cela fait des semaines que je souffre de voir toutes les choses que j'ai perdues. Mais le pire est d'imaginer maman, que j'aime plus que tout, refaire sa vie avec d'autres hommes. Je vous aime. Et ensuite, il revient, il fait le petit déjeuner à son petit garçon de 10 ans. Marie-Laure Boubas, avocate générale. Celui-ci, d'ailleurs, lui fera remarquer qu'il a une trace de sang au niveau de l'oreille. Et en fait, M. Duc va faire des allers-retours dans la chambre de son épouse pour finir le travail, entre guillemets, puisqu'il se rend compte que c'est pas fini, lui porter d'autres coups. Et il va laisser partir son enfant à l'école. Sa femme agonise, le dit qu'il y a des râles, qu'elle a froid, qu'elle se plaint de lui à un moment. Donc c'est glaçant. On se dit qu'il était quand même déterminé, en tout cas, à mettre fin à la vie de son épouse. Et au lieu, à un moment ou un autre, de lui porter secours, ou j'allais dire de finir le travail. Mais en fait, ça dure des heures. Ça dure entre 8h30 du matin et à minima 11h. Elle décédera à l'hôpital bien plus tard. Ça fait froid dans le dos.
parce que vous avez ces gestes du quotidien avec ses enfants. Et puis en même temps, il passe son temps à aller voir son épouse pour l'achever au final. Donc c'est quelque chose qui n'est pas commun. Et il fait état de certaines intentions suicidaires, mais enfin, à aucun moment, il y a le moindre passage à l'acte le concernant. Ordonnance de mise en accusation. À 11h du matin, Nicolas Duc quittait sa maison, laissant sa femme en train d'agoniser. Il avait pensé à se suicider sans pouvoir le faire. Il avait roulé sans but vers Fontainebleau, avant de revenir vers Dreux. Nicolas Duc avait retiré 300 euros pour acheter un millefeuille et du whisky qu'il consommait en roulant. Il va revenir chez lui, à la maison, alors que les policiers sont déjà là, que sa femme a été évacuée par les secours, parce qu'elle décédera en fait plusieurs heures plus tard. Et il rentre chez lui comme si de rien n'était, il arrache la bande de scellé. Et puis là, après, finalement, il ressort assez vite et il va s'effondrer dans les bras de ses voisins. Mais c'est aussi un rôle de protection. Quand on réalise ce qu'on a fait, c'est trop difficile. Donc on essaie de l'occulter et puis on met en place des barrières pour pouvoir vivre, survivre. Et il le dira au cours de l'instruction, sans même attendre le procès, qu'il avait tout et qu'il a tout perdu. En garde à vue, Nicolas Duc prend conscience de la folie de son meurtre. Je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. En la tuant, je me suis tué aussi. Et j'ai plus rien. Il n'y a aucun motif à ça. Aujourd'hui, on devrait tous vivre ensemble. Les policiers vont faire état de ce qu'il a un discours parfaitement cohérent. Il s'exprime comme vous et moi. Il n'y a pas de propos délirants. Puis au vu quand même de ce qu'il explique concernant le déroulé des faits, il y a une expertise psychiatrique qui va avoir lieu durant le temps de la garde à vue. Et là, on est quelques heures après la commission des faits. Et ça, ça a son importance aussi, puisque du coup, le médecin qui le voit à ce moment-là le voit dans l'état le plus proche de ce qu'il a été au moment où il a commis ce geste irréparable. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'abolition, ça c'est certain. Et sur le plan médical, il n'y a pas de difficulté. Il est parfaitement compatible avec une mesure de garde à vue, ce qui fait qu'en fait, les enquêteurs vont pouvoir l'entendre et recueillir les différentes déclarations de M. Duc qui reconnaît les faits et qui les explique. Ordonnance de mise en accusation. Sur l'un des courriers retrouvés par la police, Nicolas Duc écrit « Mon histoire est invraisemblable et ma folie m'entraîne en enfer alors que j'avais le paradis, la vie idéale. J'ai trahi tout le monde par ma lâcheté, mes errances psychologiques et mon égoïsme. Je suis un malade mental complexé, qui n'a jamais pris ses responsabilités. J'ai vécu tel un animal, dans une bulle, antichambre de la mort, et sans jamais recoller au monde réel. En reprenant mes esprits, ma souffrance est inimaginable en pensant au bonheur qu'auraient pu être mes 20 ou 30 prochaines années. Et je pense au mal que j'ai fait à mon entourage. Il a une émotion qui est contrôlée, elle n'est pas hystérisée, elle n'est pas théâtralisée. Docteur Jean-Charles Pascal, expert psychiatre. Il dit qu'il se reproche intensément son geste, qu'il ne comprend pas, il est accablé. Voilà, on a quelqu'un qui n'est pas dans l'effondrement, il est présent, il répond aux questions, il n'est pas ému aux larmes, mais sa vie a basculé et donc il est assez satisfait, je pense, de pouvoir s'exprimer. Donc on examine quelqu'un qui n'a pas d'antécédent psychiatrique, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, bonnes études, bon métier, heureux en ménage, des enfants, qui décrit une sorte de vie idéale.
Donc, jusque-là, on n'est pas du tout devant un dossier qui nous renseigne déjà sur des éléments psychopathologiques, antécédents psychiatriques, situations de couple préoccupantes, etc., etc. Il a fait, des années auparavant, une chute de pratique sportive, un traumatisme à l'épaule. Et puis ce traumatisme à l'épaule, traumatisme de la clavicule, c'est jamais vraiment bien guéri, toujours un peu douloureux. Et puis, depuis quelques mois, ces douleurs étaient réapparues de façon un peu plus intense. Et il commence à consulter sur Internet. Il va un jour tomber sur quelqu'un qui dit « il y a des évolutions cancéreuses de certains traumatismes de l'épaule ». Code B25, expertise psychiatrique des docteurs Pascal et Coutenceau. Nicolas Duc, 43 ans, décrit des préoccupations sur son corps avec un caractère obsédant et délirant. Il nous confie « C'était un enfer psychologique. Je pensais que mon épaule s'était déformée. J'ai voulu passer 50 radiographies. J'étais fou de cette clavicule. Il n'y avait pas une minute où je n'y pensais pas. Je pensais que ces douleurs étaient dues à un cancer. » Lui, pour une raison qui échappe au commun des mortels, il est tombé dans ce délire parce qu'il avait de plus en plus mal et parce qu'il prenait énormément de médicaments, il multipliait les examens, il s'est focalisé sur quelques analyses qui apparemment n'étaient pas bonnes mais qui en réalité n'avaient rien de surréaliste. Et il s'est auto-convaincu qu'il allait mourir. Il s'effondre psychologiquement et psychiatriquement parlant. Et personne ne prend conscience de l'état dans lequel il est. Sa femme, à un moment donné, le dit à des collègues de travail en disant « je vois qu'il n'est pas là, qu'il ne va pas bien », mais personne ne perçoit à quel point il est au fond du trou. Et il est tout seul. Et il est effondré. Et cette idée qu'il est peut-être atteint d'un cancer, donc d'une maladie grave, s'implante chez lui et va devenir une obsession. Et non seulement il est persuadé d'avoir une pathologie grave, de type cancéreux, mais il est persuadé petit à petit qu'il va mourir. Ce qui l'effondre, c'est pas qu'il va mourir, c'est que il aime sa femme plus que tout et il imagine d'ores et déjà que sa femme va refaire sa vie avec d'autres hommes et il l'aime tellement que ça lui est insupportable. Code B24. Expertise psychiatrique des docteurs Coutenceau et Pascal. Sur le plan du caractère, Nicolas Duc se décrit comme têtu, un peu égocentré, parfois un peu trop assuré, parfois susceptible et sournois. Il l'exprime ainsi à sa façon. Je suis peut-être un peu trop prétentieux, trop sûr de moi. J'ai parfois un manque d'écoute des autres. Peut-être trop centré sur moi. Ce qui frappe aussi à la lecture de ce dossier, c'est que tout est centré sur lui. C'est lui le plus important, c'est lui qui est au centre du jeu, c'est lui qui prend les décisions, mais en tout cas, il n'y a que lui. Et les conséquences que ça va avoir pour sa famille, même s'il prend la précaution de lister et de donner des conseils à ses enfants, c'est toujours lui. Et en fait, on est sur quelqu'un qui avait un comportement, en tout cas avant, et une vie qui faisait que tout était parfaitement raisonnable, tout était cadré, calibré. Et là, sur ces faits-là, il n'y a que lui. Il ne supporte pas l'idée de l'avoir seul, mais par contre, ça ne lui pose aucun problème de savoir que ses enfants, en fait, vont se retrouver sans leur mère, éventuellement sans leur père. Bon, moi, il y a un mot, par contre, qui est repris, mais qui me fait tiquer à chaque fois, c'est qu'il parle d'un amour passionnel
à un moment pour expliquer son geste, puisque son motif, c'est que, pensant qu'il va mourir, il ne supporte pas l'idée qu'elle fasse sa vie sans lui. Et ce mot passion, il est complètement dévoyé. Surtout que, j'allais dire, on n'est pas sur Roméo et Juliette. Hein, lui, il ne met pas fin à ses jours. Il n'y a jamais aucun passage à l'acte le concernant. Hein, parce que ça arrive, malheureusement. C'est terrible, mais dans la situation de M. Duc, il n'y a pas ce passage à l'acte-là. Donc, ça aussi, ça pose question. Code B27. Expertise psychiatrique des docteurs Pascal et Coutenceau. Nicolas Duc s'attribue des bouffées d'angoisse, des idées de suicide et des pensées où il associe sa mort au destin de sa femme. Il nous dit « Je pense que ma femme va refaire sa vie avec d'autres hommes qui vivront dans le futur avec elle. Ça m'irrite. Je suis jaloux. » Donc, c'est la mise en place dans son système de pensée d'une torture. C'est une sorte de jalousie prévue. Il a une intense jalousie de celui qui pourrait, et à son avis, qui de façon évidente, un jour, le remplacerait. S'il mourait, sa femme irait avec d'autres hommes. Est-ce que c'était délirant, ça ? Qu'est délirant, c'est plutôt de penser qu'il allait mourir de son cancer de l'épaule. On est dans un délire sur le plan de l'hypocondrie. Au niveau de la jalousie, on est dans une jalousie pathologique, anticipatoire, peut-être pas délirante. Le fait qu'il pense qu'il pourrait être qu'un rival dans le futur pourrait donc venir à la place qu'il occupe n'est pas délirant au stricto sensu. Hein. Donc c'est ce que nous répondons au juge d'instruction dans notre rapport pour nous. Donc M. Duc peut être jugé en considérant bien sûr que son discernement était fortement altéré. On a mis forte altération. Pour qu'il y ait eu abolition, il aurait fallu une dépendance totale par rapport à la partie délirante. Ordonnance de mise en accusation. L'entourage de Nicolas Duc ne fait état d'aucune violence à l'encontre de sa femme Nathalie. Le couple ne connaissait pas de conflit majeur. Son épouse était professeure de SVT. Elle donnait entière satisfaction. Elle s'investissait beaucoup dans son art, la sculpture, et elle souhaitait y consacrer tout son temps à la retraite. Rien ne présageait d'un malaise dans le couple. C'est un couple qui a les problèmes d'un couple classique. Maître Fabien Arakelian, avocat de Nicolas Duc. Quelques petites disputes par-ci par-là, mais aucun souci financier. Loin de là, il perçoit une rémunération plus que confortable, je crois pas loin de 7 000-8 000 euros mensuels. Son épouse, elle est professeure, puis à côté de son activité professionnelle, elle fait aussi des sculptures, et d'ailleurs, elle pensait vivre de cette activité. Elle allait exposer au Grand Palais, elle était en pleine expansion, en plein essor professionnel. Ils ont 3 enfants qui sont épanouis. Il n'y a pas d'amant, il n'y a pas de maîtresse. Il y a même des projets d'élévation de la maison. Ils partent en vacances régulièrement. Non, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'ombre, rien. Le juge d'instruction a creusé. Il a entendu tous les voisins, il a entendu tous les amis du couple. Et il n'y a pas le début de violence, il n'y a pas le début d'une main courante, il n'y a pas le début d'un énervement, il n'y a rien. Rien, rien n'a été constaté de discordant de ce point de vue. Sa femme réussit. Marie-Laure Boubas, avocate générale. Et en fait, ce qui transparaît, c'est que M. Duc a réussi sur le plan professionnel. En tout cas, il a un job et il le revendique d'ailleurs. Mais il dira quand même qu'il était jaloux de sa femme. Parce que sur certaines choses, elle brillait plus que lui. Par rapport à l'art qu'elle pratiquait, c'était quelque chose qui était reconnu et elle commençait à monter. Et lui, on a l'impression qu'il a toujours eu besoin de montrer qu'il était meilleur que les autres. Il y a des explications qu'on n'a pas, notamment par rapport à des mots que lui va évoquer, notamment dans un courrier qu'il a pu laisser après les faits. Il parle de cet enfant qui n'a pas réussi. Et donc, ce qui montre qu'il y a quand même une souffrance, quelque chose qu'il n'a pas digéré.
Et bon, c'est une explication comme une autre. Mais j'allais dire, il y a ce millefeuille, il s'en prend à elle, il s'en prend à personne d'autre. Et il le dit lui-même qu'il y avait une certaine jalousie. Il y avait du succès chez sa femme, et surtout à un moment où lui n'en a plus et où il va pas bien. Donc la relation de couple, j'allais dire, elle est quand même un petit peu déséquilibrée, même si elle apparaît aux yeux de tout le monde comme étant idéale. Moi, je pense qu'il y a quand même une faille aussi à ce niveau-là. Ordonnance de mise en accusation. Issue d'une famille modeste, Nicolas Duc estime avoir été survalorisé par sa mère par rapport à sa sœur, source de culpabilité œdipienne. Il décrit de bonnes relations avec son père qui était plutôt absent. Nicolas Duc indique avoir eu une adolescence normale, puis avoir suivi une scolarité brillante jusqu'en DESS, au cours duquel il a rencontré sa femme. 3 enfants sont nés de leur union. C'est quelqu'un qui a une bonne idée de lui-même. Hein. Docteur Jean-Charles Pascal, expert psychiatre. Monsieur Duc, il est assez fier de son parcours, de ses études, de sa réussite professionnelle. Bon, enfin bon, rien de pathologique. Hein. Bon, le seul mystère qui restera quand on regarde sa personnalité, c'est l'ultra-violence. Il ne l'a pas étouffé, il ne l'a pas empoisonné, il ne l'a pas étranglé, il a massacré. Et qu'est-ce qui va amener cet homme à massacrer ? Un peu comme si la violence des coups portés sur celle qu'il aime, donc la défigurant, au fond, résolvait un peu la question qui se posait sur le fait des hommes qu'elle pourrait connaître après lui. Mais la grande question psychopathologique qui reste mystérieuse, c'est qu'est-ce que ça a déclenché chez cet homme ? Jamais violent, jamais impulsif, pas particulièrement intolérant en frustration. Le pourquoi sur une personnalité comme la sienne, mystère. On peut faire toutes les hypothèses psychopathologiques, on peut appeler toutes les références psychanalytiques possibles, on peut tout dire, mais on n'a aucun élément qui permet de comprendre le pourquoi des choses. Après de telles situations tragiques, il faut être humble et accepter en général, il n'y a pas d'explication évidente. Moi, ça n'avait rien d'énigmatique. Moi, j'ai plaidé avec force qu'il n'avait rien à faire dans le box d'une cour d'assises et que c'était une personne qui n'avait pas de discernement au moment des faits. Et là, il y a un article du Code pénal qui est bien écrit, qui vient dire que lorsqu'il y a une abolition du discernement, il y a une irresponsabilité pénale. Et s'il y a une irresponsabilité pénale, on ne peut pas être condamné à une peine devant une cour d'assises. Les experts psychiatres concluent que Nicolas Duc n'est pas fou. 3 ans après le meurtre de son épouse, il est jugé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Les enfants ne sont pas là au procès. Donc cette confrontation, elle n'a pas lieu et j'ai envie de dire tant mieux. Mais il a malgré tout sa belle famille en face de lui et d'ailleurs qui ne l'accable pas, hein, qui ne l'enfonce pas. Mais vous imaginez la scène. Je lui demande de rester lui-même. Je défends pas un membre de la brise de mer. Je défends une personne qui ne ment pas, en fait. Je ne lui susurre pas à l'oreille comme on peut le faire dans un dossier de trafic de stupéfiants. Monsieur, c'est pas vous, etc. Je ne le prépare pas. On ne ment pas. Il ne ment pas. Il dit la vérité. Faites entrer l'accusé. Il donne une impression d'une personne totalement effondrée. D'une personne sincère, d'une personne honnête, d'une personne qui ne triche pas, d'une personne qui n'aurait jamais dû se retrouver dans le box d'une cour d'assises. C'est pas un délinquant de grand chemin que je défends. C'est le citoyen lambda, plus que lambda. J'ai le souvenir de quelqu'un d'abattu et d'assez mutique, qui subissait en fait ce qui se passait. Mais en tout cas, lui, il reste pas transparent, hein, parce qu'on sent qu'il y a un poids. Mais il subit. Je me souviens de quelque chose de particulièrement triste. Parfois, vous avez la colère, des parties civiles notamment. Et là, il n'y a rien, en fait. C'est sombre, en fait. C'est triste, c'est sombre, et il y a vraiment un poids. C'est très pesant comme ambiance. Monsieur Duc, levez-vous. Avez-vous des mots pour expliquer votre geste ? Je comprends toujours pas pourquoi j'ai fait ça. Aujourd'hui, je me dis qu'il est impossible que
j'ai pu commettre cet acte. Ça paraît irréel. Je suis devenu fou. J'ai pas d'autre explication, monsieur le président. Maintenant, toute la question, elle est de savoir, c'est s'il était responsable pénalement ou si son état faisait l'objet d'une altération du discernement, auquel cas la cour devait prononcer une peine, mais en tenant compte d'un état psychiatrique particulier qui faisait qu'il n'était pas parfaitement, on va dire, pour caricaturer un peu, sain d'esprit, en tout cas comme vous et moi, ou alors au contraire, carrément, on est sur une abolition, la cour pouvait tout à fait le retenir, c'était le parti de la défense de reconnaître qu'en fait il était bien vu une abolition et qu'on ne pouvait pas le condamner à une peine d'emprisonnement. Donc mon travail à moi, il est de connaître ces expertises sur le bout des doigts et de mettre les experts les uns contre les autres pour montrer que même eux ne sont pas d'accord. Et si eux ne sont pas d'accord, que va faire la cour d'assises ? Monsieur Duc, que ressentez-vous aujourd'hui ? C'est effroyable. J'ai une profonde honte sur moi-même. J'ai du mal à comprendre ce qui m'est arrivé. Je ne peux plus regarder quelqu'un dans les yeux. Et bien sûr, je ne peux plus faire face à ma famille, à mes amis, et bien sûr à mes enfants. J'ai bousillé notre vie. Et surtout, il y a le regard de ses enfants et de sa famille. C'est plus ça que la cour d'assises. Moi, de ce que je ressens, c'est pas l'enjeu de la peine, parce que je pense qu'il est conscient qu'il a tout perdu et que c'est de sa faute. Mais c'est surtout le regard de ses enfants, parce que ça, il va l'évoquer, que ça, c'est trop dur. Moi, je me souviens très bien que, au-delà de mon rôle d'avocat, ce que je lui disais en permanence, c'est qu'il devait rester debout pour ses enfants, qu'il devait rester pour eux, qu'il allait devoir leur expliquer un jour. Et parce que ses enfants venaient de perdre leur mère, il fallait qu'ils aient aussi leur père debout. Après la peine, j'ai envie de dire que ça, il me déléguait ce travail. Et il m'a jamais dit, maître, je veux me prendre une peine qui soit inférieure à tel quantum. Et jamais on a eu cette discussion entre nous. Finalement, la sanction que la société est amenée à prononcer par le biais de la cour d'assises avec une peine d'emprisonnement, c'est pas cette sanction-là la pire. Et dans le regard de ses enfants, il a pris perpétuité. On a l'impression qu'il se fait une raison et que le regard de ses enfants, il est tellement lourd et on perçoit pas de positionnement vers l'avenir. Mais parce que je pense qu'il est conscient à ce moment-là aussi que le geste qu'il a commis, c'est le pire de tous. Hein. Et que les seuls qui ont de l'importance à ses yeux, c'est ses enfants, et il ne perçoit pas comment ils peuvent lui pardonner. Nicolas Duc est condamné à 10 ans de prison. La cour d'assises des Hauts-de-Seine a retenu une altération de son discernement. Et le banquier ne fait pas appel du jugement. J'ai compris que lorsque ce procès s'est terminé, il y a eu un effondrement, d'une certaine manière. C'était pas anodin pour lui d'être dans l'obligation de s'exprimer sur ces faits publiquement. J'ai toujours continué à aller le voir. On se projetait même, compte tenu de la peine qui, disons-le, n'était pas très importante, sur un aménagement de peine, sur les perspectives, sur savoir ce qui allait se passer après. Ouais, je continuais à le voir. Les seules lumières que j'ai perçues chez lui, c'est lorsqu'il parlait de ses enfants. Il n'y a pas eu de visite, mais il y avait des échanges, de courriers, de lettres, des dessins. Il y avait des échanges épistolaires avec ses enfants. Il était toujours très ému lorsqu'on parlait de ses enfants. Très, très ému. Vous savez, maître, mes enfants sont chez ma belle-mère. Ça me fait un peu peur de les voir. Mais mon fils aîné m'a écrit « Tu me manques, papa. Je pense à toi. » Pour ma fille, c'est plus partagé. Et puis le dernier, il est un peu perdu. Il est suivi par un pédopsychiatre.
J'ai toujours pensé que potentiellement, il y avait un risque qu'il s'effondre et qu'il mette fin à ses jours. Ouais. Je l'avais toujours à l'esprit. Je l'avais toujours à l'esprit. Et un matin, je reçois un coup de téléphone de la direction de la maison d'arrêt qui m'indique qu'il a mis fin à ses jours. Voilà. C'est pas anodin dans la vie d'un avocat. C'est pas anodin dans la vie d'un avocat parce que peu importe les faits, on crée des liens et moi j'ai été très fier d'être son avocat et oui j'ai été très triste quoi. Et ce dossier, je sais qu'il fera partie des 5-6 dossiers qui auront marqué ma carrière professionnelle. Je l'ai encore dans mon sac à dos, très clairement. C'était On de la traconte, Côte B. Rédaction en chef Guillaume Maury, enquête de Vincent Deby. Réalisation Mathieu Fret. Je vous rappelle que toutes nos histoires sont disponibles en podcast dès 6h du matin. Retrouvez On de la traconte, Côte B, tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.